Alors voilà, c'est bon, je suis bien coiffée. C'est bon, je suis prête pour aller à l'école. C'est parfait, je suis trop contente. C'est la rentrée des classes et j'espère me faire plein de nouveaux amis car aujourd'hui je rentre en 5e. Avant j'étais en 6e, mais là je suis en 5e. Et il y a une nouvelle élève qui a l'air bien. Mais on y va. Je suis trop pressée d'aller à l'école. Allez vite. Trop pressée de voir cette nouvelle élève. Voilà. Donc je suis presque arrivée à l'école. Encore du chemin à faire. Moi je vais tout le temps à pied. Ça me fait de la marche. Et c'est très bon pour la santé. Alors il n'y a pas de voiture. C'est bon. Alors. Ah! C'est elle! C'est elle. Moi, j'ai jamais vu dans la classe, donc ça doit être elle. Hey, bonjour. Bonjour. Je suis nouvelle. Je m'appelle Carmen. Ah, oh, bonjour Carmen. Moi, c'est Unicorn. Si tu veux, on peut prendre quelque chose ensemble. On peut aller manger une pomme ensemble si tu veux. Est-ce que tu as des bonnes notes à l'école? Oui, j'ai tout le temps des bonnes notes. Je suis trop forte. Ah, désolée, non merci. Je n'ai pas trop envie d'aller faire, enfin, d'aller manger avec une intello. Au revoir. Elle est sérieuse là? Non mais comment elle me parle? Elle me traite d'intello? Mais je suis pas du tout une intello, moi. Je suis juste parfaite, c'est tout. Enfin, tout le monde n'est pas parfait. Mais j'ai des bonnes notes à l'école. C'est juste ça. Et elle me traite d'intello. Bon, moi je vais manger ma pop toute seule, sans personne. Elle est sympathique, hein, vraiment, hein. Bon, moi je vais manger tranquillement ma pomme. Elle est très bonne. Ah, tiens, la voilà. Ça va, Madame l'intello? Quoi? Mais tu me traites encore d'intello? Mais je suis pas une intello! De quel droit t'as droit de me dire ça déjà? J'ai droit de te dire ce que je veux, parce que tu es une intello! Même si je suis une intello, tu n'as pas le droit de me parler comme ça, Carmen. Oh, mais t'es pas ma mère! Oh, mais je te jure, on dirait un bébé! Moi, un bébé? Est-ce que t'es riche? Non. T'es pas riche? Quoi? T'es pas riche? Donc ça veut dire que t'es une pauvre. C'est trop drôle. Vas-y, allez, je m'en vais. Moi, je suis riche. Et toi, t'es pauvre. Nulos. Non, mais... C'est pas du tout gentil de dire ça. Déjà, je suis pas pauvre, je suis une fille normale. Non, mais elle se prend pour qui celle-là? Elle, déjà, elle me traite de nulos, nulos toi-même. Oh. Gros bébé. Bon, allez, je crois que c'est l'heure d'aller en cours. Bon, désolée ma petite pomme, mais j'ai fini de te manger. Alors, la salle de sciences, c'est où? Donc aujourd'hui, on commence par les sciences. La 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 la. Bonjour madame. Allez, on s'assoit là, pas à côté de l'intello. Et intello, qu'est-ce qu'il y a? Encore Carmen, tu veux encore m'embêter? Non, je veux pas t'embêter. Ah ouais, alors tu veux me faire quoi? Oh rien, juste je voulais te déranger, c'est tout. Non mais, elle est sérieuse. Les enfants, s'il vous plaît, sortez votre livre. De science, nous allons apprendre le corps humain. Oh, le corps humain, j'aime pas ça. Oui, j'aime trop le corps humain, ça a l'air trop bien. Ah, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Madame? Oui, Unicorn, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oui, mais dépêche-toi. Ah, je suis trop pressée. Vite! Alors, Carmen, peux-tu me dire où se trouve le cœur? Ça donne envie de faire quelque chose. Unicorn est aux toilettes.
J'ai bien envie de faire quelque chose. Tu as dit quoi, Carmen? Oh, j'ai rien dit. Alors, tu peux me dire aussi le cœur. Madame, je me sens pas très bien, je peux aller vomir? D'accord, vas-y tout de suite. C'est très grave quand même. Oui, s'il vous plaît. Bah, vas-y. Merci. Mais en fait, je me sens pas du tout pas bien. Je vais aller voir l'unicorne. Je sais ce que je vais lui faire subir. Dépêche-toi, Carmen. Oui, bien sûr. Je vais aller fermer la porte des toilettes. Ah, j'ai fini. Ouh, j'avais trop trop envie. Allez, je vais aller sortir des toilettes. Mais, pourquoi j'arrive pas à ouvrir la porte des toilettes? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, la femme de ménage a dû fermer les toilettes? Mais au secours, au secours, au secours, au secours! Oh, mais j'ai une petite idée qui a fait ça. Je crois pas que ce soit la femme de ménage, mais je crois que c'est Carmen. Oh my god, je suis fermée dans les toilettes! Ah! Au secours, au secours, au secours, je te permets dans les toilettes. Mais tiens, j'entends crier, c'est qui? Attendez, j'ouvre. Unicorn? Mais que fais-tu ici? J'étais enfermée dans les toilettes. Ah bon? Tu étais enfermée dans les toilettes? Comment ça se fait? Je sais pas. Est-ce que c'est toi qui as fermé les toilettes? Non, j'étais en train de balayer le théâtre. Ah bon? Bah. C'est Carmen, c'est sûr. Carmen? La nouvelle? Ah bon, ça peut être elle qui t'a enfermée dans les toilettes? Oui, je pense que c'est elle. Ok, vas-y, sors d'ici, vite. Retourne en cours. La maîtresse doit t'attendre. Oui, vite, vite, vite. J'arrive pas à croire. C'est Carmen qui m'a enfermée dans les toilettes. C'est pas possible que ce soit la maîtresse. Elle est beaucoup trop gentille pour faire ça. Bon, allez, je vais retourner en classe. Dring, dring. Ah, oh, heureusement que c'est la fin des cours. Oh là là. Je savais même pas que c'était la fin des cours à cette heure-là déjà. Oh, j'ai passé une trop mauvaise journée. Allez, vite. On y va. Je rentre à la maison. C'était horrible cette journée. Bon, Carmen est partie. Au revoir, la télo. Ouais, pas au revoir. Pas au revoir du tout. J'espère qu'elle soit malade demain parce que là, j'en peux plus. J'ai passé une trop mauvaise journée avec cette Carmen. Elle est incontrôlable celle-là. Elle est très méchante. Elle me traite d'intello. Oh, non mais c'est grave. J'espère pas la croiser demain.